En Belgique, à Bruxelles, de parents immigrés il y a plus de 45 ans, la première génération d'immigrés. Je suis née de parents ouvriers, originaires de Tanger. Je suis actuellement conseillère de la ministre de l'Éducation et de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Au départ, il n'y avait rien qui me destinait à faire de la politique. Au départ, j'ai fait des études d'infirmière parce que j'aimais bien aider les autres. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, que si je veux vraiment aider les autres, il faut pouvoir aussi mener des projets assez importants qui puissent toucher un maximum de personnes. Et je pense que la politique est un bon moyen. Ça permet d'activer des leviers importants pour pouvoir mener des projets et des politiques qui peuvent aider plusieurs personnes en même temps. Et donc là, je me suis lancée dans des études dans un master en sciences politiques, économiques et sociales à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve que j'ai réussi en 3 ans à côté de ça, je continue à travailler comme infirmière. Et puis après, au bout de la première année, je me suis engagée dans un parti politique où j'ai voulu être moi-même actrice de changement. Donc j'ai choisi le Centre démocrate humaniste, c'est là où je suis pour l'instant. Et donc au départ, je suis rentrée chez les jeunes de mon parti, et puis j'ai très vite été repérée et j'ai intégré le cabinet de la ministre de l'économie bruxelloise à l'époque. Ensuite, j'ai été recrutée chez la ministre de l'Intérieur, vice-première ministre, Joëlle Milquet, et là où j'ai été chef de cabinet adjoint. Et donc, suite aux élections de 2014, elle a changé de ministère et je l'ai suivie dans son nouveau ministère, le ministère de la Culture et de l'Éducation. La situation des Marocains résidant en Belgique, déjà on est une grosse communauté, donc on est assez nombreux à Bruxelles en tout cas et dans les grandes villes de Belgique. Il y a vraiment, je pense que dans ces nouvelles générations, il y a beaucoup de changements parce qu'on est des générations qui ont fait des études, qui ont quand même des postes assez importants. On arrive à quand même à une majorité de personnes d'origine marocaine qui font de hautes études universitaires, ce qu'on n'avait pas avant dans la première génération et encore un peu dans la deuxième. On arrive maintenant à des troisième et quatrième générations et où on a vraiment un tissu économique important. On a pas mal d'entrepreneurs d'origine marocaine qui sont eux-mêmes employeurs, en tout cas sur Bruxelles. On a des médecins, on a vraiment, on va dire, une élite. Et on a aussi, malheureusement, dans certains quartiers, plus de 40% de jeunes au chômage, sous-qualifiés, donc qui n'ont même pas le bac. Et donc, je pense que c'est pour ces jeunes-là que c'est important pour nous qui avons eu la chance de faire des études, de pouvoir les aider et de pouvoir leur dire que c'est possible, que la réussite, c'est possible avec le travail et qu'il ne faut pas pouvoir s'arrêter à ses échecs, mais plutôt surmonter ses échecs et apprendre de ses échecs pour arriver à la réussite. Et donc ça, c'est un peu la situation qu'on a là-bas. On a pas mal d'artistes aussi. On a vraiment beaucoup de jeunes artistes qui font des choses extraordinaires, mais qui ne sont pas assez reconnus, malheureusement. Et ça, je trouve aussi important de pouvoir les mettre en lumière et de pouvoir leur dire aussi que voilà, qu'avec du travail, c'est possible d'y arriver dans n'importe quelle discipline. Qu'on n'est pas tous obligés d'être ou politiciens ou médecins, mais que chaque volonté, chaque rêve est possible. Alors le Maroc, c'est mon pays d'abord. J'aime beaucoup le Maroc, je suis très fière d'être marocaine et d'avoir cette double identité. C'est vrai que je suis née en Belgique et que j'ai fait toute ma scolarité là-bas et que toute mon éducation a été faite là-bas. Mais je reste très attachée au Maroc, à la langue arabe, à la culture marocaine, à nos traditions. Je trouve qu'on a de très très belles traditions. Et c'est vrai qu'à cette occasion-ci, j'ai été vraiment émerveillée de voir déjà cette charmante invitation que vous nous avez faite et puis aussi toutes ces belles traditions qu'on a et tout notre patrimoine culturel.
Et je trouve ça magnifique et merveilleux. Et je suis très fière d'appartenir à ce pays aussi. Et je pense que le rapport qu'on peut avoir quand on est un jeune d'origine, quand on est né, quand on est MRE, c'est aussi de se dire, ben voilà, on a acquis une certaine compétence à l'étranger, et c'est de pouvoir aussi apporter à son pays d'origine. Je sais que le Maroc est en plein boom économique, social, il y a un dynamisme incroyable impulsé par Sa Majesté la Nsro. Et donc je crois que nous, jeunes de là-bas, on a aussi notre petit apport, notre responsabilité aussi par rapport à notre pays d'origine, de pouvoir aussi apporter, même à petite échelle, mais apporter quelque chose à notre pays d'origine pour l'aider à aller de l'avant encore plus. Mon message aux Marocains résidant à l'étranger, je sais que quand on est né là-bas, il y en a beaucoup qui ont un problème d'identité, qui se sentent où on est trop belge, où on est pas, et on se demande qui on est finalement, parce que quand on est là-bas, ben forcément, on n'est pas blond aux yeux bleus, donc on nous renvoie l'image de nous dire bah oui, mais t'es pas tout à fait belge, et alors qu'on se sent peut-être très belge, et on connaît pas assez notre culture d'origine pour se sentir assez à l'aise et dire qu'on est aussi marocain. Et je crois que c'est important d'être fier de ces deux origines, et de pouvoir aussi, c'est une richesse de se dire, c'est une richesse d'avoir les deux origines. Et je crois que mon message pour les Marocains résidant à l'étranger, c'est de se dire d'être des ambassadeurs de leur pays d'origine et d'être fiers de leur pays, et de justement de pouvoir partager avec leur pays d'accueil la grandeur de leur culture marocaine.